day after day, alone on a hill. The man with a foolish grin is keeping perfectly still, but nobody knows what to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of the southern voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun. C'est bien. Non, mais... grand pianiste. Grand pianiste. Merci Romain. Il vous a fait perdre par moment, j'ai bien vu. C'est Pinot là, tout cas. Non, c'est pas bien, Pinot. C'est beaucoup Pinot. Ça va bien. Ah non, mais t'es génial. Merci Clémentine. On va voir. Est-ce que vous allez accompagner aussi Jérémy Frérot, Romain Bérodier? Alors, c'est sur une chanson qu'on connaît tous des Beatles, et Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, and then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. C'est en direct et franchement, c'est réussi de la part de nos camarades qu'on a prévenus hier. On s'est dit, tiens, on va fêter les 60 ans des Beatles. Ça y est, on est le 21 février. Il y a 60 ans pile que les Beatles chantaient pour la première fois en concert à Liverpool. Ils avaient déjà chanté ensemble avant, hein, mais oui, c'est le premier concert. Mais ce qui est génial, Laurent, avec les Beatles, c'est qu'en fait, il y a des encyclopédies entières. Chaque jour, il y a un anniversaire. Là, au mois de février, à partir du 15 janvier, on fêtait, pareil, l'anniversaire des premiers Olympias des Beatles. Ils étaient à Paris, ils ont squatté pendant 3 semaines. Ils faisaient 2 concerts par jour. Ils ont même chanté à Versailles avant de chanter à l'Olympia. Même en première partie de Sylvie Vartan. Et alors Johnny s'était battu avec les fans. Parce qu'au début en France, quand ils arrivent le 15 janvier 64, personne ne les connaît. À Paris, ils se baladent sur les Champs-Élysées, tout va bien. Et puis bah, au fur et à mesure des concerts à l'Olympia, ils deviennent des stars. Et donc la pauvre Sylvie, qui elle au début était la star du spectacle, là les fans des Beatles l'engueulaient, ils disaient « Sylvie, va-t'en !» Voilà, bravo. Ce qui n'est pas sympa. Bonne vanne, Sylvie, va-t'en. Et ça a énervé Johnny. Et c'est parti à la castagne. Ah bah c'est comme ça. Et la Beatles mania, ça a mis une semaine en France. Puis ça, après, ça ne s'est plus jamais arrêté. Alors Charles Pazzi, je ne sais pas si vous l'avez reçu, lui, Charles. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ouais. Il a choisi pas forcément un titre le plus connu des Beatles. Non. C'est sur l'album blanc des Beatles. Exactement. Ça s'appelle Rocky Raccoon. Oui, parce que j'aime bien cette histoire, parce que c'est l'histoire d'un mec qui est amoureux d'une fille. C'est un cow-boy, en fait. C'est un cow-boy, c'est un peu une parodie, il se fout un peu de la gueule des films américains, des westerns. Et c'est un mec amoureux d'une fille, la fille se retrouve à un autre homme, et là, il se dit, je vais buter le mec. Donc il veut rentrer dans la piole, les surprendre, en fait.
Et il prévient le mec que là, c'est un braquage. Et en fait, c'est lui qui se retrouve à se faire tirer dessus. C'est Paul McCartney qui raconte l'histoire au départ. J'ai vérifié, c'est bien John Lennon qui joue de l'harmonica. Exactement, derrière, il y a un petit. Alors je ne pourrais pas faire les deux en même temps. Bah non, parce que son instrument, ce garçon, faut le savoir, et on le vérifiera tout à l'heure, c'est l'harmonica. À peu près tous les titres de votre nouvel album commencent par de l'harmonica. Plutôt, oui, oui. Mais après, vous ne pouvez pas continuer parce qu'il chante, donc c'est très difficile à faire les deux en même temps, Clémentine. Oui. Vous l'auriez dit à ma place. Mais t'es flic, bien sûr. Je ne savais pas que j'avais le gros compteur, mon Dieu. Elle ne l'a pas digéré. Rocky Raccoon. Rocky Raccoon. Now, somewhere in the Black Mountain Hills of the Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. But one day his woman ran off with another guy. Hit John Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in a local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find it in his Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot all the legs of his rival. His rival, it seems, has broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hall down. Ah, yeah, yeah.